N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la page Eco News Insight pour recevoir toutes les nouveautés. Récemment, par les journalistes de l'agence France Presse, Florent Pagny a partagé des révélations inédites concernant son combat contre le cancer. Le chanteur a déclaré avoir pris une décision d'importance capitale. Le cancer demeure une maladie souvent traitée avec réserve dans les conversations. Cela a incité de nombreuses personnalités publiques à lever le voile sur cette pathologie qui affecte un nombre considérable de patients à l'échelle mondiale. En janvier 2022, Florent Pagny a lui-même reçu un diagnostic de cancer du poumon, malheureusement jugé inopérable. Par conséquent, il a entrepris un traitement complexe comprenant 6 mois de chimiothérapie et de radiothérapie. En juin de la même année, le chanteur annonçait être sorti vainqueur de cette épreuve, regagnant même son domicile en Patagonie. Toutefois, une récidive de la maladie a rapidement suivi quelques mois plus tard, contraignant le chanteur à revenir en France et à reprendre son traitement. Proche ami de Pascal Obispo, Florent Pagny incarne incontestablement un symbole vivant de la résistance face au cancer. Bien que la bataille ait été ardue, il a réussi à triompher de la maladie, s'élevant ainsi en tant que survivant de ce fléau fatal qui emporte chaque année des milliers de vies. Interrogé précisément au sujet de son combat contre le cancer, Florent Pagny a exprimé que cette lutte exigeait un temps considérable. Les récidives dont il a été l'objet n'ont en aucun cas facilité la situation. Il a souligné « Lorsque vous faites face à cela pour la 3e fois, j'ai subi 2 chutes, ce qui m'amène à réfléchir sur le fait que vous remporterez des batailles. Mais pour déterminer si vous triomphez de la guerre, cela nécessite une période prolongée. » À présent, en tant que célèbre chanteur, il prévoit de reprendre ses activités professionnelles, tout en prenant le temps nécessaire pour se ressourcer. Il semble que le traitement intensif auquel il a été soumis n'ait pas été sans conséquences sur sa santé physique. Florent Pagny exprime ouvertement son intention de se retirer temporairement du devant de la scène médiatique, déclaré « À présent, je vais opérer un retrait médiatique ». L'année 2023 a été très marquée par mes activités et ma maladie. Ainsi, je vais m'efforcer de me consacrer davantage à la création artistique. Il est important de souligner que cette pause ne sera que provisoire. Le chanteur envisage déjà son retour sur scène pour marquer le début de sa tournée célébrant ses 65 ans, un moment attendu avec impatience par ses fans à travers la France. De plus, un nouvel album sera dévoilé à cette occasion, comprenant des titres inédits qui promettent d'être fort appréciés. Le rendez-vous est fixé pour l'année 2024.